Je suis maintenant au salon en compagnie de nos juges permanents, Pasquale, Jean-Luc, Laurent. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Êtes-vous d'attaque? C'est la finale? Oui. C'est là que ça se passe. Hein? Ce soir, c'est vraiment la dernière ligne droite. On a trois excellents candidats, vraiment. Et j'avais envie de vous entendre là-dessus. Si vous aviez un conseil personnalisé à donner à chacun d'entre eux, ça serait lequel? Pasquale, si on commençait par Marjorie. Bien, le conseil que je donnerais à Marjorie, c'est de ne pas mettre trop d'items dans l'assiette. De garder ça simple, bien assaisonné et juste bien maîtriser les cuissons. Et Jean-Luc, si vous aviez un conseil à donner à Arnaud, ce serait lequel? Arnaud est toujours pris par le temps, donc faire un plan de travail pour vraiment qu'il réalise toute sa recette. Mm-hmm. Utiliser un thermomètre, on a vu antérieurement qu'il y avait des difficultés à maîtriser la cuisson, donc un thermomètre pour avoir une cuisson précise et bien sûr faire le maximum parce qu'il est capable de gagner cette compétition. La preuve, il est déjà rendu très, très loin. Et Laurent, en terminant, un conseil pour Guillaume? Bien, je dirais, Guillaume, s'il simplifie un peu ce qu'il fait dans l'assiette, puis il peut élever le niveau de catégorie de ce qu'il fait en général, il est capable de gagner ça facilement aussi. Et déjà, il l'a compris, là, au cours des dernières semaines, ça s'est simplifié. Alors, je pense qu'on va avoir droit à une très belle finale. Bonne soirée, messieurs, et place au défi.